marché central de Koubri. La rue jouxtant cet espace n'a plus de caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement. Munis de pioches et de pelles, les riverains tentent de les restaurer. Une initiative de la délégation spéciale de cette commune, située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Cette activité, elle vise également à prévenir les inondations du fait donc du bouchage, j'allais dire, des caniveaux. Et également, elle vise à prévenir certaines maladies telles que le paludisme, telles que la dengue qui sévissent dans notre pays en période hivernale. Dans cet tas d'ordures, on retrouve principalement des déchets ménagers. Une situation qui interpelle et appelle à un changement de comportement. Le message que nous avons à l'endroit des populations, c'est les appeler à prendre soin de l'environnement de façon générale et de travailler de façon singulière à ne plus s'adonner à des activités qui puissent contribuer à boucher les caniveaux. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, une politique des nouvelles autorités qui invite les populations à participer activement au développement de leur commune.